Bonjour et bienvenue à la Gournaise pour la première édition de Yeux s'envole, un petit festival de cerf-volant organisé par l'association Le Holland des Volants, avec des participants qui sont venus d'un peu toute la France, qui ont été là toute la semaine pour réaliser des photos aériennes par cerf-volant. On a fait une fresque par exemple cette semaine avec les enfants du service jeunesse. Ça va bien ? Alors on va faire une fresque humaine ? C'est quoi une fresque ? Eh bien vous allez dessiner sur le sol, en vous positionnant, vous allez dessiner une encre. Une encre marine. Une encre marine qui est dessinée. Ah, c'est une encre, c'est pas un vélo ? Non, c'est pas un vélo, ce sera une encre. Ah oui, ce sera celle-ci. Hein, regarde le cerf-volant, tiens, vois la force. Incroyable, hein ? Et c'est fort, hein ? Prête à ta copine. Prête à ta copine. Prête-lui. Oui, oui, chacun à son tour. J'ai lourd. Les cervolistes qui sont ici, et ceux qui fabriquent, qui font la photographie aérienne par cerf-volant, bien souvent fabriquent eux-mêmes leur cerf-volant pour des questions de confiance par rapport au travail réalisé, aux matériaux et à la conception des cerfs-volants. Et il faut savoir que suivant le type de vent, on ne va pas avoir les mêmes cerfs-volants. On va avoir des cerfs-volants de différentes formes, de différentes conceptions pour pouvoir faire de la photographie aérienne à partir de 5 km/h jusqu'à environ 50 km/h. Bon, au-delà, ça devient un petit peu trop... un peu trop risqué parce que le vent c'est vraiment une force qui peut être demander du respect, hein. Donc au-delà de 50 km/h c'est plus raisonnable d'être dans son fauteuil à travailler les photos qu'on a prises le matin que de fauler. Voilà. Donc les cerfs-volants sont fabriqués par nous avec des matériaux comme le spinnaker, des baguettes qui sont faites avec du carbone, donc c'est des matériaux modernes, hein, qui vont permettre d'avoir à la fois la légèreté et aussi la résistance par rapport à ce que l'on veut mettre en suspension sur le câble. Après, il faut savoir que sur le câble de retenue, on va mettre une nacelle qui, elle, va pouvoir être commandée depuis le sol, avec parfois un retour vidéo. Donc, le photographe sait ce qu'il va photographier. Et cette nacelle, qui est radio-commandée, va supporter soit un appareil photo, soit une caméra, et va pouvoir, bien sûr, faire des photos ou des films en altitude. Alors, il y a aussi à savoir que la photographie aérienne par cerf-volant relève du vol libre. Donc nous avons des dérogations qui nous permettent de voler là où les drones doivent demander des autorisations spéciales, voire être soumis à des interdictions. Donc ça a des gros avantages du vol libre, c'est que le cerf-volant reste libre aussi. Toutefois, il faut respecter la législation, hein, c'est-à-dire que la hauteur maximum, 150 mètres. Pas un de plus, parce qu'au-delà, c'est les hélicoptères et les avions, donc il ne faut pas se brouiller les pinceaux, comme on dit. Voilà, et puis aussi il faut respecter le droit à l'image, les enfants, les propriétés privées, donc il faut savoir qu'il y a une petite réglementation qu'il est bon de respecter. Mais voilà, mais sinon c'est une belle activité, conviviale, avec des échanges entre différentes compétences. Là parmi nous il y a des experts en photographie, d'autres qui sont plutôt dans le retravail de l'image, d'autres qui sont des spécialistes du cerf-volant. Mais pour la plupart, ce sont des bénévoles, on fait ça pour le fun, pour le plaisir, de découvrir et de faire découvrir ce que l'on photographie. Et aujourd'hui, pour finir cette semaine de folie qu'ils ont passée sur l'île-dieu, on crée un petit événement et on fait voler plein de cerfs-volants. Comment que ça se passe très bien, je pense que ça va se pérenniser. Et la journée n'est pas finie encore. Cet après-midi, il va y avoir des démonstrations de cerf-volant pilotable, des lâchers de bonbons par cerf-volant, bien sûr. Et voilà.